Monsieur. Ouais, bonsoir. C'est un micro trottoir, quoi. Ah, d'accord. J'ai juste quelques questions à vous poser sur la Coupe du Monde. Coupe du Monde? Oui, bien sûr. Ok. Première question. Quoi? Il y a combien de pays africains qui participaient à la Coupe du Monde Qatar 2022? Paul Essosima Nyasimbe. Jesus is Lord! Joseph Kabila. Yes! Et Laurent Gbagbo. Yes! Man! Et qui encore? Et Nana Akufo. Jesus! Oui, il y a l'autre là aussi. Ah, monsieur, je dis les pays africains qui jouent football. Il fallait dire ça. Moi, j'aime les questions claires, quoi. Il fallait dire ça. Ok. Les pays africains, il y a. Tu parles de l'équipe, quoi. Oui. De l'équipe. Il y a. Il y a Emmanuel Adebayo chez lui. Etofis. Il y a aussi Drogba. Sadio Mané. Think about your life! Monsieur, oui, s'il vous plaît, il y a combien de pays? Ah, une équipe. Il fallait dire ça. Moi, j'aime les questions qui sont claires, quoi. Désolé. Voilà. Je dois dire, c'est les gardiens de but. Jesus! Les attaquants. We do keep quiet. Les milieux de terrain, quoi. Voilà. Voilà, c'est les équipes. Monsieur, laissez tomber ça. Si le Togo participait à la Coupe du Monde Qatar 2022, quel niveau il peut être maintenant? Le Togo. Oui, si le Togo participait à la Coupe du Monde Qatar 2022, à quel niveau? Sinon, réellement, le Togo, présentement, là où nous sommes là, le Togo possède les joueurs les plus talentueux de l'Afrique. Je jure. Oui? Si seulement le Togo participait là, à la mondiale là, hein, Qatar 2022, dès le premier match, il aura déjà sa coupe. Sinon, le reste qu'il joue, 8e de finale, le reste là sont des matchs amicaux. Sinon, si c'est que le Togo participait vraiment. Oh, dès monsieur, le soyons sérieux, si le Togo participait au premier match maintenant. Premier match déjà, match de poule, il aura la coupe. Je te jure. Merci monsieur. Oui. Merci monsieur. Sinon, vous êtes fort vraiment. Et Laurent Gbagbo. Et qui encore? Il y a l'autre là aussi. Il y a l'autre là aussi. On va couper, monsieur. Tentez. Yeah.